c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire que l'invention d'un produit qui s'appelle la permutation de l'impayé, on va dire ça comme ça en français, mais en anglais c'est le fameux crédit default swap, hein. Swap c'est permuter, hein, donc le défaut bah, c'est un défaut de paiement, et voilà, donc c'est les gens, quand quelqu'un ne rembourse pas sa dette à la banque ou à quelqu'un d'autre, eh bien il y a une deuxième personne, n'est-ce pas, qui va banquer à sa place. Hein, et Banquer est le donc, mot qui convient. banquer, exactement, c'est pour ça que vous utilisez. Et aujourd'hui, enfin, là c'est vraiment un résumé schématique de toutes ces années, hein, de toutes ces années folles, hein, depuis 1994, c'est-à-dire que tous les banquiers se sont enchaînés les uns aux autres comme des alpinistes, n'est-ce pas? Et donc il y en a un qui a commencé à tomber et donc qui a entraîné la chute de tous les autres. Et cette chute continue en ce moment même, hein, puisque le feu se répand, continue à se répandre et il vient d'atteindre Moscou. Hein, puisqu'il y a 3 jours, c'est la banque de Moscou qui a fait faillite et qui a été sauvée in extremis par des fonds débloqués par Vladimir Poutine et Medvedev, et qui sont l'équivalent de 10 milliards d'euros. Donc c'est vous dire. Mais en tout cas, depuis 2007, le système est en train de s'effondrer les uns après les autres, et ce n'est pas fini, hein, puisqu'on vient simplement de mettre nos amis grecs en esclavage, et après ça va être le tour des Portugais, des Espagnols, l'Italie, et bien sûr la France, après les élections présidentielles. Hein, surtout ne pas imposer de mesures d'austérité sur les Français avant les élections, ça ne le fait pas. Sinon, on risquerait de ne pas élire un heureux élu qui va avoir à gérer une catastrophe sans nom et qui, on peut lui donner un conseil amical, pour une fois soyons amicaux, ne pas y aller. Surtout, n'allez pas dans ce foutoir, car vous allez vous retrouver dans une situation impossible. Et d'ailleurs, à la fin de votre livre, vous leur promettez un avenir riant, radieux, puisque Oui, ils vont c'est se. à la Zinoviev, oui, c'est Voilà, l'avenir donc radio de l'Union ils vont soviétique, c'est être déchiquetés par la foule, enfin un truc de rien que de représailles. Donc Mais vous toujours. savez, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai donné le livre imprimé donc le 5 janvier. Et comme vous avez vu, à la fin du livre, j'annonce que c'est inévitable que ce qu'elle fait, puisqu'elle a abandonné les crédits dérivés, elle a abandonné les crédits parce qu'elle, Blythe Masters, savait exactement ce qui allait se passer. Donc elle a abandonné tous les crédits dérivés au profit de la spéculation sur les matières premières. C'est-à-dire que depuis 2007, elle est en train de racheter tout le maïs, les céréales, le lard, le cochon. Et les métaux, le cuivre, Le métaux, les cuivres, mais surtout les matières le premières, elle stratège se indien. sert dans nos assiettes. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, Blatt Masters et les autres banquiers, mais il y en a très peu finalement, vous savez, qui spéculent qui font monter artificiellement le prix des matières premières, c'est Blatt Masters pour la JP Morgan, et la Goldman Sachs, c'est d'une certaine mesure la Morgan Stanley. Mais bon, c'est surtout elle, hein, parce qu'elle a quand même 1800 traders à son service, hein, pour les matières premières. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc vous avez une liste, j'ai donné la liste confidentielle sur les matières premières sur lesquelles elle joue. Et donc cela va provoquer des révolutions en chaîne. C'est-à-dire que les pays donc du Maghreb ont été les premiers à tomber, puisque on va dire que leur salaire minimum moyen est de 200 ou 300 euros par mois. Mais la ménagère tunisienne, égyptienne, paye le sucre et la farine au même prix que la française, hein, ou l'espagnole ou l'allemande. Et donc pour eux, quand ils font leurs courses, le panier de la ménagère, ben, ça fait 80% des revenus. Donc forcément, on va à la révolution. Hein. On est dans une situation typiquement pré-révolutionnaire, due au fait de la spéculation absolument épouvantable des banques, qui, pour se refaire de l'immense escroquerie qu'elles ont créée avec les produits dérivés, maintenant elles rachètent les terres et surtout la production des terres. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans une situation de 1789, donc juste avant la Révolution. Mais vous savez, comme pour Louis XVI, hein, les banquiers disent 14 juillet, rien à signaler. Je suis intimement convaincu que vous avez raison, et il faut, très modestement, je m'efforce aussi depuis des années et des années d'attirer l'attention de ceux qui veulent bien m'écouter sur les extraordinaires dangers qu'il y a à placer son argent dans les banques en général, dans l'assurance vie en particulier, etc. Et là, nous sommes tous les deux d'accord, je crois, pour dire qu'il y a un danger considérable dans le fait qu'aujourd'hui, les économies des Français et de tous les autres vont disparaître et que nous allons, Ouais, en vous savez, la effet. banque postale en ce moment empêche les gens de retirer leur argent, Oui. mais il n'y a pas que la banque postale. Non, La l'ensemble des Société banques. Générale, l'ensemble des banques a resserré la vis.
à l'ensemble des Français. Ils ne se sont pas rendus compte parce que les banques sont en train, en ce moment même, donc pendant les vacances, hein, en train de limiter les dépenses sur les cartes bleues, en train de... là, on a vu, par exemple, la Société Générale voir arriver des lettres recommandées pour 8 euros ou 10 euros de découvert. Hein, donc ça vous montre... c'est-à-dire que, n'oubliez pas, une lettre recommandée leur génère, grosso modo, entre 30 et 50 euros de frais, soi-disant. Hein, donc ça fait... Vous envoyez 1 million de lettres recommandées à des gens qui sont à découvert de 5 euros, hein, vous multipliez ça par 30 ou 50 euros, ça vous fait déjà une belle somme. Oui, ils en sont arrivés là. Hein, ils sont en train de gratter les fonds de tiroir parce qu'ils savent de toute manière que le dollar va exploser. Les Américains sont arrivés à la limite de leur dette. Il est question de remonter, mais bon, pour l'instant, il y a un pugilat entre les deux parties. Le résultat est que l'État du Minnesota, par exemple, vient de déposer le bilan. On peut dire ça comme ça, qu'ils ont licencié 22 000 fonctionnaires, hein, vendredi soir. C'est là, vous voyez ce que je veux dire, là, vendredi, au mois de juillet. Hein, donc c'est quand même absolument extraordinaire. Le Minnesota n'est pas le seul, il y a le New Jersey qui est en train de suivre la même voie. Et puis en même temps, vous voyez quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train d'émerger, toujours aux États-Unis. Hein, c'est que vous avez quasiment 12 États maintenant qui sont revenus au standard or et argent. Ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Ça devrait tirer la sonnette d'alarme chez tout le monde, chez tous les Français, hein, qui ont de l'argent en assurance vie. Non, on n'en parle pas. C'est une information totalement censurée. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et je pense que notre ami Blight Masters nous le montre très bien. À travers ses acquisitions depuis 2007, hein, tous les milliards qu'elle a dépensés pour acheter les sociétés spécialisées dans les matières premières, non seulement. Les Français sont ruinés, mais en plus, ils ne pourront même pas remplir leur caddie. D'ailleurs, on a vu que, je crois que c'est la Voix du Nord qui récemment a déclaré qu'il y a la hausse qu'ils ont constatée, eux, c'était grosso modo 9 ou 10% depuis le 1er janvier. Donc ça veut dire que tous les Français qui ont, je sais pas, on va dire 10 000 euros ou 100 000 euros, peu importe, en banque, ils sont assez stupides pour laisser, ils ont déjà perdu 10% de ce montant. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire. Et ceci ne compte pas, bien entendu, les frais de banque. Hein. Les Alors, frais, les commissions en tout genre, n'est-ce pas, sur lesquels vous pouvez rajouter 15%. Vous savez, en novembre 2008, on a ce penseur extraordinaire, un fabuleux philosophe français, n'est-ce pas, du siècle des Lumières, Alain Minck, hein, qui a connu Chateaubriand et tous les autres, n'est-ce pas, qui nous a expliqué quand même à la télévision, à tous les Français, que ces crises allaient durer que 3 mois, que c'était juste une crise de confiance. Hein, quand vous pensez que Minck est le conseiller des grands présidents Et le président de la de République. multinationales, et du et non, mais attendez, mais ça fait peur. Ça fait peur. On se dit, soit à l'Élysée, ils sont tous incompétents, et je vous parle même pas du ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, Christine Lagarde l'a reconnu. Quand il y a eu le grand krach de septembre 2008, tout ce qu'elle a su demander, c'est-à-dire Paulson lui a téléphoné, hein, le patron de la Fed, et lui a dit, Le le patron. prévenu, voilà, ben, les mannes va couler. Et Christine Lagarde s'est retrouvée devant le fait accompli en disant nous, on n'avait que le choix du maillot de bain face au tsunami. Voilà. Ils nous ont traités, les Américains nous ont traités comme de la merde. C'est quand même gravissime. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est gravissime. Les Américains se moquent totalement des Européens. Nous sommes là pour eux comme des vaches à lait.